On sonne à la porte. Hein. Ah non, ne t'inquiète pas, ce sont les enfants. Chérie, on dirait que ce ne sont pas les enfants, elle va voir. C'est moi, je t'ai dit, ce sont les enfants. Fuis. Mangeons seulement, hein. Ne t'inquiète pas. bonjour, je suis venu récupérer l'argent de mon loyer. Ben, s'il te plaît, faut passer dans quelques jours. Dans quelques jours seulement, je vais gérer. Maximum une semaine seulement là. C'est ce que je vais gérer, s'il te plaît, Bayo. C'est toujours la même chanson. Tous les jours, tu me dis ça. Maintenant que tu me donnes plusieurs mois de loyer, mon loyer où je ferme ma porte. Yeah! S'il te plaît, ne me fais pas ça. Hein? Tu peux fermer peut-être demain, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui là seulement là. C'est une question de vie ou de mort. Pas aujourd'hui, s'il te plaît, Bayo. Même pour manger, c'est un problème. Depuis une semaine, je n'ai pas encore mangé. Yeah! Je jeûne sec. Je suis le seul à avoir fait ça. Parce que je n'ai même pas l'argent pour payer à manger. S'il te plaît, bailleur, pardon, faut avoir pitié. Quelqu'un qui n'a pas encore mangé à gros vent comme ça. Yeah! Moi, ma gare. Hey, je veux pas d'histoire avec toi. Et qu'en est-il même de lui qui est sur ta bouche? Yeah! Hein? Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Quand je vais aller voir, il se passe. Ferme-moi. Chérie, qu'est-ce qui se passe ici? Mais. Tu te fous de moi ou quoi? Non seulement tu n'arrives même pas à payer mon loyer, et puis tu amènes femme chez toi. Yeah! Pas normal. Et en plus, vous mangez du poulet. Enfermez nous, on mange tôt couché. Vous mangez poulet. Pas normal. D'accord. S'il te plaît, on va tout expliquer. D'ailleurs, je m'en fous, quittez. Yeah! Tout est gâté. Mon poulet là, je n'ai pas terminé. Je m'en fous. Aha. Toi, tu es pauvre, au point de ne même pas pouvoir payer ton loyer. Et bien, c'est toi qui prétends être riche. Moi, ma gare. Je vais tout expliquer. Et m'expliquer quoi? Toi, tu es un voyou que je te vois comme ça là. Plus jamais tu m'appelles encore. Yes! Voyou, imbécile. Quelle humiliation. Si ça va, on allait vite manger poulet là au moins.